8 personnes auraient été tuées dans des frappes de la coalition US près de Deir ez-Zor. 8 personnes ont perdu la vie dans des bombardements de la coalition sous commandement américain contre un village dans la province de Deir ez-Zor, a indiqué jeudi l'agence syrienne Sana se référant à des sources civiles. Des avions appartenant à la coalition antiterroriste menée par les États-Unis ont porté des frappes contre le village d'Al-Shaafa dans la banlieue de Deir ez-Zor, tuant 8 personnes, a annoncé l'agence Sana. Selon des sources civiles, plusieurs autres personnes ont été blessées. En outre, de sérieux dégâts matériels ont été infligés aux zones résidentielles après que l'aviation de la coalition a effectué des frappes contre les maisons civiles. Les bombardements ont causé des destructions à un point que les habitants ont dû fuir leurs maisons, ont précisé les sources. Le nombre exact de blessés reste à préciser.